Et bonjour à tous pour ce nouveau numéro du Temps d'une bière. Je suis en compagnie d'Aurélien Flamand. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, déjà, je te remercie d'être venu te prêter au jeu du Temps d'une bière. Tous n'ont pas osé. C'était vraiment le temps d'une bière pour moi, donc je suis ravi. Récemment, toi et moi, nous avons eu le plaisir d'échanger lors d'une interview. Autour d'un café. Exactement, voilà. C'était un café. Je vais te laisser quand même, au cas où, si certains n'ont pas vu la vidéo, je vais d'abord leur dire, allez la voir, et ensuite je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu le fais? Comment tu le fais? Écoute, c'est très simple, je suis Aurélien Flamand, je suis patron de l'immobilier au sein du Bon Coin. Pour qui je le fais? Pour tous nos utilisateurs et pour tous nos clients, et j'espère le faire pas trop mal. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. J'aime bien les deux. Alors, pourquoi? Est-ce que tu as une raison ou c'est vraiment parce juste au goût? Avec une seule et même boisson, tu peux avoir deux saveurs complètement différentes. Et donc, ça dépend de l'humeur, tu vois. Si tu vas sur la brune, c'est peut-être une soirée où tu es un peu plus audacieux. Et puis, en fin de journée, comme sur le Rennes, une blonde, c'est parfait. Exactement, ça désaltère. Exactement. On n'a pas de surprise, mais on sait que ça va quand même être agréable. Tout à fait. Alors, notre pression, elle est quotidienne, mais c'est ce qui nous motive. Notre pression, c'est atteindre nos objectifs, c'est satisfaire nos clients, c'est être fier de ce qu'on fait. Ça, c'est notre pression. Ah. Et notre pression du moment, c'est tous les lancements qu'on fait traditionnellement en septembre, dont on a eu l'occasion de parler il n'y a pas longtemps. On y revient après dessus, en plus. On ramène la tireuse à bière pour Noël et les grandes occasions. Ah. C'est-à-dire qu'on fête beaucoup, on fêtait beaucoup et on fête plus assez à notre goût depuis la crise sanitaire, mais on fête beaucoup avec beaucoup de simplicité et beaucoup de convivialité. Et la bière incarne plutôt ça selon moi. J'ai entendu parler d'une offre intégrale. C'est le APII Hour. Ah. Le PII, c'est le Pacimo intégral. Donc je leur ferai un APII Hour. Elle est pas mal celle-là. Tu vois, elle est pas mal du tout. Voilà. Voilà, notre nouveauté de rentrée, c'est on a essayé de faire le produit le plus pragmatique possible. Donc, c'est une offre tout en un. Okay. Voilà, c'est ta bière blonde et ta bière brune en même temps qui va te permettre et de diffuser tes annonces et de faire l'acquisition de mandats. Okay. Et l'objectif, c'est que tu puisses gagner un maximum de temps sur ta prospection, sur le monitoring de tes annonces, puisque là, tu auras des annonces qui vont remonter automatiquement grâce à nos algos. Okay. Et puis, tant qu'à faire, qu'on t'aide à optimiser ton ROI. Okay. C'est important. Pour que tes annonces soient plus efficaces et que ta dépense soit optimisée, ton investissement soit optimisé. Ok, donc en fait, c'est même carrément un all-inclusive. Ça pourrait s'apparenter, j'ai le bracelet qui me permet de consommer à volonté. C'est illimité. Ouais. Le tout en un, c'est tout en un. Je vais déroger, et c'est pas bien, hein, je vais déroger à la loi Evin. Ok. Parce que je vais te parler de bière à la télévision. Puisque ce qui se profile mi-novembre, c'est une offre qu'on lance en partenariat avec TF1. On en avait parlé. Qui va nous permettre de proposer à nos clients ce qu'on appelle la télé segmentée, c'est-à-dire offrir à n'importe quel pro, quel que soit son budget, quelle que soit sa localisation, de développer sa notoriété sur le Bon Coin avec des leviers digitaux et de passer à la télé sur les chaînes du groupe TF1 sur un environnement proche autour de son secteur. Alors, je te remercie d'être venu là-dessus parce que ça me permet de rappeler à tout le monde qu'on a une interview, toi et moi, effectivement, dans nos locaux chez Imo2, là plus autour d'un café, effectivement, et on a pu revenir en détail sur cette offre de télésegmentée qui était très intéressante. Je vais plutôt inviter, parce que là, le format est très court, donc je vais inviter les gens à aller retourner voir cette vidéo parce que c'est effectivement très intéressant et ça en dit long sur le futur de la publicité et de la publicité programmatique accessible à tous. En attendant, moi, je t'ai posé toutes mes questions. Je n'ai pas fini ma bière, ça veut dire que tu as été intéressant sur l'ensemble, sur tout le long. Je vais tout d'abord te remercier. Je vais te laisser faire peut-être un petit mot de la fin, soit pour moi, soit pour mes téléspectateurs. Écoute, spectateurs, d'abord je te remercie parce que cette bière arrive au meilleur moment pour moi de la journée. Ah, donc c'est je la fin. Partage avec un grand plaisir. J'invite tous tes... Comment tu dis d'ailleurs? Tu dis pas tes téléspectateurs. Non, spectateurs. Spectateurs. Tu dis tes spectateurs. Spectateurs ou lecteurs. J'invite tous tes spectateurs à venir boire des bières, des cafés, ce qu'ils veulent, parce que ça fait deux fois qu'on échange et on est excessivement bien reçu chez toi. Ah bon, merci. Et surtout, ne change rien, même si intimement, je pense que tu vas un jour devenir plutôt brassier ou patron de restaurant. Bon, je vais me mettre plus au service en que tout à l'IMO. Moi, je fais du tout en un avec mes offres à destination des pros de l'IMO. Toi, tu fais du tout en un à destination du Salon Rennes. C'est très bien comme ça. Eh ben, je te remercie beaucoup. Et je tiens aussi à dire qu'on est très, très bien reçus aussi chez Le Bon Coin. Et quelques fois où j'ai eu le plaisir d'y aller,
j'ai été reçu mais comme un roi. Bon. Et je vous remercie pour ça. On va tourner autour d'une deuxième bière. Allez. Merci à toi. Et ben merci à toi.